Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, une semaine je crois. Regardez pas ma tête, je suis en âge. Aujourd'hui dehors, on n'a plus de canicule, mais du coup la chaleur reste quand même dans la maison. Là j'ai ouvert les fenêtres, donc vous allez peut-être entendre du bruit, les voitures passer. Dehors maintenant il fait 23 à peu près. Ce matin il faisait 20, respirer, mais il y a encore la chaleur qui est dans la maison. Dans la maison il fait pas loin de 30 degrés. Et du coup là j'ai ouvert pour aérer, mais je suis en nage. Et je suis en nage parce que vous allez voir pourquoi. Je ne pouvais pas faire pendant la canicule, parce que ça aurait été impossible. Je n'ai pas pu mettre les pieds dans mon atelier pendant tout le temps de la canicule. Parce que ici c'était le four. Je pense qu'on n'était pas loin des 40 degrés dans ma pièce. Donc c'était vraiment impossible. Donc j'ai même dû travailler dans la salle à manger. Parce que ici je ne pouvais strictement rien faire. Même quand je venais chercher du matériel, je faisais très vite parce que je ne pouvais pas rester. Tellement il faisait une chaleur incroyable. Pourtant, je suis dans le nord. voilà. Alors, vous allez voir un petit bout d'abord que j'ai filmé une minute, je pense, de mon atelier avant. Et là, après, je vais vous filmer après. Juste pour vous montrer le avant-après. Parce que du coup, comme j'ai pas pu. Comme je vous le disais, comme j'allais très vite dans mon atelier, ça a été très vite le boxon. Mais alors, un boxon, pas possible. Il y en avait partout. Je crois que j'ai battu mon record, là. du boxon dans l'atelier. Mais comme on dit, hein, c'est celles qui font rien, qui ont un atelier rangé. On dirait que j'ai du sable dans les yeux. C'est énervant depuis une paire de jours. Et je vous montre après, j'ai rangé. Mais bon, enfin, c'est un peu l'excuse pour venir vous dire un petit bonjour et vous faire un coucou. Je sais plus. voilà, c'était juste pour vous dire bonjour. Et puis bon, je prenais l'excuse pour vous montrer un petit peu mon atelier. Je ne vais pas montrer en détail, hein, parce que là, j'ai ça. Je vous ferai un tour de l'atelier peut-être quand il fera un peu meilleur, si vous le souhaitez, malgré que j'en ai déjà fait. Hein. Mais j'aimerais pouvoir refaire mon atelier, le ranger autrement et peut-être faire un tour d'atelier à ce moment-là. Parce que là, bon, je n'aime pas comment il est rangé, parce que bon, je cherche mes affaires, voilà. Et je voudrais le ranger autrement. Donc, je pense que je referai un tour de l'atelier plutôt après, je verrai. Parce que là, bon, c'est encore un petit peu... boxon. Allez, je vous montre tout de suite l'atelier avant. Et je vous montre l'atelier après. À tout de suite. Donc voilà, l'atelier rangé. Vous voyez, c'est quand même un peu mieux hein, que tout à l'heure.
on s'y retrouve quand même un petit peu mieux. Alors, désolé pour le contre-jour, hein, mais là, je peux pas faire autrement. Donc là, vous savez, c'est mon coin couture, vous l'aurez deviné par la machine à coudre. Là, bon, je vous dis juste en général, hein, je ne vous fais pas le détail. Là, c'est tout, mes petits rangements, et mes boîtes, mes fleurs, mes... Mais là, c'est tout ce qui est die-cut, mes rangements de... en bois, tout. Voilà. Là, il y a vraiment de tout. Mon... Là, il y a mon petit matériel. Là, mon album que je dois refaire. Bon, là, c'est tout ce qui est couture, les tissus, tout ça. Là, c'est pour le cartonnage. C'est, tout... c'est un carton avec toutes les chutes que je garde. Voilà, c'est ma bibi. Hop, elle a complètement à contre-jour. Voilà. C'est ma bibliothèque. Ma table de travail. Là, c'est où je filme. Voilà. Et ici, encore, tous mes rangements. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Et donc, il faut encore que je trie. Alors, malgré que j'ai déjà vendu pas mal, vous voyez, il y a encore du... Il y a encore pas mal. Ça, c'est un diamond painting que j'avais fait. Il faut que je l'accroche au mur, mais comme je dois repeindre les murs aussi. Voilà. Ça, c'est un... Je ne sais plus qui, désolé. C'est une copine qui me les avait envoyés. Là, j'ai encore des cadeaux hein, qu'on m'avait envoyés. C'est pareil, je dois les réinstaller. Ça, c'est une page de scrap à moi que j'avais fait. Voilà. Ça, je vous fais une autre vidéo après. Voilà. Et là en dessous, c'est pareil. Il y a une boîte pour le scrap. En dessous, alors c'est une boîte que je dois trier. Il y a mes albums de scrap, là il y a mes poupées Barbie pour faire avec les livres pliés. J'ai une boîte de tissu, une boîte de laine, mais là il n'y en a presque plus puisque j'ai presque tout vendu. D'ailleurs il en reste encore parce qu'une dame devait me les acheter, ma laine, et j'attends toujours son paiement, donc j'ai jamais reçu. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien travaillé. Mais je trouve que c'est encore un peu bordélique. Voilà. Donc, pour celles qui ne connaissent pas mon atelier, le voilà. Mais je vous referai une vidéo plus détaillée quand j'aurai vraiment tout bien remis en place. Voilà. Donc voilà, pour celles qui ne connaissaient pas mon petit, mon antre de bricolage, comme ça vous avez pu le voir. Il y a que, je ne vous ai pas filmé juste derrière moi, mais là ça ne vous intéressait pas, c'est le lit, il y a un lit, c'est pour quand mes petits-enfants viennent dormir, voilà. Donc il n'y avait rien de spécial là à vous montrer. Si, il y avait mon repassage qui traînait sur le lit. Sinon, ben voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même encore du rangement à faire. Mais là, bon, j'étais plutôt dans l'urgence, on va dire dans l'urgence pour ranger. Mais je veux tout refaire. Faut que je vois. Faut que je change. Parce que, bon, c'est pas très, très pratique pour moi, je trouve. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Je ne vais pas me plaindre parce que, bon, il y a quand même pas mal de copines qui n'ont pas d'atelier, de pièces consacrées pour... pour leur loisir, donc je ne vais surtout pas me plaindre de l'état de ma pièce et comment elle est rangée. Ce serait pas sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite mini vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir et vous savez que j'y réponds toujours. Bon, des fois j'y réponds un peu en retard. Bon, en ce moment je suis un petit peu prise parce que je prépare un salon, je vais vous en reparler et
Donc je bricole pas mal. Et donc je vous ferai une vidéo pour ce salon. Et vous voyez, je ne sais pas ce que j'ai dans les yeux. On dirait que j'ai du sable. Et je vous ferai une vidéo pour vous parler de ce salon. Et vous dire quand est-ce que j'y serai. Comme ça, si vous pouvez venir. Vous pourrez venir me voir et voir mes créas. Et en acheter. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. À bientôt.